Wesh les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo tuto montage CapCut. Donc voilà, donc c'est parti les gars. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification, lâcher un petit commentaire et c'est badi. C'est badi, c'est badi. Donc une fois que vous êtes là, vous allez faire un nouveau projet. Et là, bon, moi là j'atterris sur ma vidéo. Et une fois que vous êtes là, déjà vous allez commencer à mettre la vidéo. Et vous allez déjà commencer à mettre le texte. Alors vous allez mettre texte. Vous allez aller dans style. Alors police. Vous allez aller dans anglais. Avenir texte. Après style, vous allez aller dans trait, vous allez sélectionner noir. Et ombre, vous allez sélectionner noir. Effet, vous n'allez pas en mettre. Animation. Alors, intro, vous mettez jet intérieur. Et sortie. Vous allez mettre flou gauche. Boucle, vous mettez pas. Et bulle, vous mettez pas. Du coup, si c'est bon, normalement ça doit rendre comme ça. Yo tout le monde. Et aussi les gars, c'est hyper important de mettre des emojis sur votre texte. C'est hyper important pour donner plus de dynamisme. Donc là, je trouve qu'il est un peu trop gros. Yo tout le monde. Et vous voyez que là, il y a le même texte. Et par exemple, et là on va mettre comment ça va. Bon, je mets n'importe quoi, mais comment ça va. Du coup là vous allez mettre un petit emoji, comment ça va. Voilà, là vous allez un peu rétrécir, là vous allez aller dans copier. Hop. Et là, par exemple, là, je vais mettre moi, nickel. Je vais mettre un petit emoji. Hop. Parfait. Et si on lit notre petite vidéo, yo tout le monde. Comment ça va? Moi nickel. Voilà, donc ça fait... Donc si vous voulez ajouter un peu de tremblement ou d'effet sur votre vidéo, vous allez aller dans effet. Effet vidéo. Là, vous allez chercher dans, si je me trompe pas, boîte de nuit. Vous allez aller prendre secouer. Je vous conseille de le mettre en favori. Tremblement et balancement. Du coup, après, une fois que vous les avez, bon, moi là j'ai tout. Moi par exemple, je vais mettre balancement. On le met sur toute la durée du clip. Et par exemple, si vous voulez que... Parce que là, c'est que la vidéo qui bouge. Si vous voulez mettre le texte qui bouge, vous mettez, vous allez dans Objet, toutes les vidéos, et là, la magie. Voilà. Voilà, les gars. Le texte bouge. Voilà, vous pouvez rajouter un petit son audio. Alors, je sais pas, je vais prendre n'importe quoi. Yo tout le monde, comment ça va?
Après là vous cut la musique, donc pour cut c'est simple, vous cliquez sur la musique et là vous allez mettre diviser et là l'autre partie supprimer et ça donne ça. Donc une fois ceci, vous allez faire exporter en haut où il y a 1080p, donc là ça va exporter, ça va pas prendre très longtemps. Et là, je vais aller dans ma galerie. Et là, regardez la magie. Et voilà. Donc les gars, c'était cette petite vidéo et... terminé. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss!